J'ai besoin d'être présenté. Qui n'avait pas fait l'honneur de sa présence depuis 2006. On va prendre à peu près 10 à 15 minutes pour le maximum pour les questions-réponses en fin de session. Et je vous demanderai de rester juste après les questions-réponses, notamment ceux d'entre vous qui vont déjeuner, qui ont un pass déjeuner. Pour savoir si vous avez un pass déjeuner, c'est très simple. Pour aujourd'hui, si vous ne le savez pas, ce n'est pas vous qui vous êtes inscrit, tout ça. Il y a un D à côté de la date sur votre badge si vous déjeunez aujourd'hui. Il y a le staff et les orateurs qui, eux, de base, ont... Donc, je vous réexpliquerai sur la fin exactement comment ça va se passer, parce qu'il va falloir un petit peu de protocole pour que ça se passe bien. Et en attendant, je vous laisse dans les mains du très capable Karl Dubost. Bonjour. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Karl. J'ai vécu un peu partout, enfin pas un peu partout, mais en France, je suis d'origine française, de Normandie exactement. J'ai vécu au Canada en tant qu'étudiant, j'y ai aussi travaillé à distance. J'ai vécu au Japon pendant 3 ans et là, je suis de retour au Canada. J'ai travaillé aussi au W3C, c'est peut-être pour ça que certaines personnes me connaissent, c'est pour mes troubles au W3C en tant qu'évangélisateur, conformance manager exactement, ce qui ne veut pas dire grand-chose, mais ce qui veut dire que je faisais la qualité l'étude de qualité des technologies, donc pas l'implémentation des produits exactement, mais plus celle des spécifications. Et puis beaucoup d'évangélisation, du support aux validateurs en coopération avec Olivier Thérault, qui aussi était au Japon et vit à Montréal maintenant. Maintenant, je travaille dans une agence qui s'appelle Pheromone. Donc, citation de Daniel Glasman, Karl, chez Pheromone, c'est un pléonasme. L'agence vient de changer d'identité, elle s'appelait VDL2 avant. C'est une agence web de Montréal qui a 15 ans d'existence et qui, en changeant d'identité, a décidé de faire un site flash. Pour son site, un peu de façon guérilla, sans me prévenir. Donc j'ai été mis un peu devant le fait accompli, ce qui m'a donné l'occasion d'avoir les sarcasmes et l'ironie de bien de mes collègues. Donc, question ouverte au public, je vous invite à répondre plus tard. Suis-je encore crédible à travailler pour une agence qui s'appelle Pheromone, qui a un site flash? En tant que directeur technique de cette agence et en ayant fait 8 ans, 9 ans au W3C, je vous invite à partager votre opinion. Je m'appelle aussi Karl Kao, c'est un identifiant que vous pouvez voir sur le web, me trouver sur beaucoup de choses, de réseaux sociaux, de comptes, etc. C'est une autre façon de m'atteindre. Et comme toute bonne vache, je vis dans une grange. Celle-ci est réelle, c'était une vraie grange, il y avait des vaches dedans et c'est la maison dans laquelle j'ai vécu une grosse partie de mon enfance. Mais on va passer ça parce que c'est une très très longue histoire, si vous voulez en parler, j'en parlerai hors conférence. Et bien sûr, comme je suis très influencé par les vaches venant de Normandie et par la maison dans laquelle j'ai vécu, j'ai un site web qui est une grange aussi et qui est http://lagrange.net et ça va me permettre de démarrer en fait cette conférence. Je parle un peu vite, je pense que je vais aller trop vite. Donc, un site web, qu'est-ce que c'est ? C'est une question qui souvent a été débattue même au sein du W3C au niveau du TAG, le Technical Architecture Group. Pour définir, qu'est-ce qu'on entend par un site web? Est-ce que c'est un auteur avec un nom de domaine? Est-ce que ça définit un site web? C'est pas si évident que ça, parce qu'on peut prendre des cas comme, par exemple, LiveJournal. LiveJournal, sur un domaine, il y a plusieurs sites web avec des auteurs séparés. Tous les sites de réseaux sociaux qui ont des pages personnelles, etc., on peut considérer ça comme des mini-sites web qui sont sous un même domaine. Un agrégateur de contenu. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est un site web ? Oui, c'est un site web. Qui en est l'auteur ? C'est des gens, c'est des sources amalgamées de plein de façons. En fait, c'est très difficile à définir. Et
il vaut mieux pas essayer de le définir. Peut-être que la définition la plus simple que je pourrais essayer d'amener, c'est un ensemble d'URI. Donc là, je rentre dans les mots techniques. Donc un ensemble d'adresses web dont une personne ou un groupe de personnes a l'autorité et peuvent modifier. À quoi ça nous amène ? Ça nous amène à ce que vous pouvez écrire votre propre histoire. Avoir un site web, ce n'est pas seulement donner de l'information publique, c'est comment vous gérez votre histoire, comment vous la donnez à un public, à d'autres personnes. Et ça, c'est quelque chose qui est très important à comprendre. C'est qu'un site web, c'est une métaphore. C'est une métaphore d'un espace, c'est une métaphore que vous gérez. Alors bien sûr, pour vous, professionnels, la métaphore, elle s'arrête souvent à des lignes de code, à quelque chose de très concret et très pragmatique. Mais au final, la façon dont le web a été conçu et les outils qui ont été développés pour faire du web, c'est pour développer une métaphore de l'information. Et vous avez des experts pour... Combien de personnes ont des enfants ici ? Voilà. Ben, tous ceux qui ont des enfants ici ont des experts du web et de HTTP, parce que je vais parler d'HTTP et donc d'HTTP pour les naïfs, ont des experts du web à la maison. Parce que les enfants, ils racontent des histoires. Ils le font tous les jours avec leurs jouets. Ils récupèrent un ensemble de jouets, récupèrent un élément ici, peut-être un nounours, une poupée ici, un petit soldat en plastique, une voiture. Et avec ça, ils créent, ils agrègent un ensemble d'informations, d'objets, et ils créent une histoire avec ça. C'est ce que vous faites pour un site web. Vous agrégez des contenus, vous définissez des choses, et vous les mettez ensemble pour que ce soit cohérent. Donc les enfants, ce qu'ils font en premier, quand ils font une histoire, c'est qu'ils identifient. Chacune de leurs poupées, chacune de leurs nounours, etc., ont un identifiant propre, ont un nom. Quand vous êtes sur le web et que vous avez une page web, vous identifiez des choses, vous identifiez des ressources, vous identifiez des sources d'informations. Cet identifiant pour un enfant, c'est le nom de sa poupée. Pour vous, c'est une adresse web, une URI. Ils ont même des représentations différentes, parfois, pour un de leurs objets. C'est-à-dire qu'ils vont avoir une poupée qui vont appeler, par exemple, Saburo. Donc, vous voyez mon influence japonaise sur les slides. Donc, ils vont avoir une représentation d'une poupée qui va être, par exemple, Saburo. Puis, ils vont avoir l'image de leur grand-père aussi. C'est deux représentations différentes. Ça va être peut-être une photo, ça peut être la personne réelle, ça peut être autre chose. Ils vont avoir des représentations différentes pour... un même identifiant, même représentation différente pour même identifiant. Rappelez-vous, ça va vous allez le voir après, plus tard. Ils ajoutent des choses. Si je faisais la conférence en anglais, je dirais même qu'ils poutent des choses dans leur histoire. Ils ajoutent des identifiants et ils ajoutent des sources d'informations par rapport à ça. Parfois, ils les enlèvent. Ils délitent, ils effacent de leur espace d'information, de leur histoire, des éléments de leur histoire. Case, il ne me plaît pas. C'est une poupée qui ne me plaît pas finalement. C'est plus celle-là avec laquelle j'ai envie de jouer. Je la mets de côté. J'en prendrai une autre. Parfois aussi, ils sont très créatifs. Ils amènent un monstre. Quelque chose qui est violent, quelque chose qui va perturber leur histoire de façon radicale. Et ça, en fait, ils postent quelque chose sur leur histoire. Il y a des effets, ça. Quand il y a un monstre qui arrive dans une histoire, il y a des dommages collatéraux. L'histoire peut se transformer de façon très violente. Ce n'est pas une interaction... safe, c'est pas une interaction qui est sans conséquences. Donc c'est important de comprendre que dans une histoire, qu'il y a certaines modifications que vous allez faire qui vont avoir des conséquences beaucoup plus importantes sur l'ensemble de votre histoire, sur l'ensemble de votre architecture d'information, et qu'il faut considérer utiliser les bons éléments pour pouvoir introduire ces éléments. Parfois, ils utilisent un proxy ou un proche pour raconter leur histoire. Ils vont la raconter à un parent. L'information va être transmise. Généralement, ils vont essayer de donner tous les éléments possibles pour pouvoir raconter cette histoire à un autre adulte. Puis l'adulte va peut-être le raconter à un autre collègue de travail. Tu sais ce que m'a dit mon enfant l'autre soir ?
Et il a développé toute une histoire, etc., etc. L'information se transmet. Et l'information se transmet sans avoir à être connectée à l'enfant au départ. C'est-à-dire que l'information est communiquée d'un proche à un autre, à un proche à un autre. Pensez-y, proxy, sur le web, ça fonctionne comme ça. Donc, revenons dans le cœur du sujet. HTTP, ça veut dire Hypertext Transfer Protocol. Bien que transfert donne la notion de transport, ce n'est pas vraiment un protocole de transport. Il y a vraiment une notion de transfert d'informations, de transfert de documents, d'histoire, etc. Si vous utilisez HTTP pour déplacer des objets, vous n'utilisez pas vraiment HTTP. C'est-à-dire que, par exemple, tous ceux qui font du SOAP dans la salle, oui, c'est une possibilité d'utiliser du SOAP sur le web et d'utiliser HTTP pour transporter du SOAP. Ça va fonctionner dans certains cas, mais vous n'utilisez pas toute la richesse de HTTP. Donc, SOAP, est-ce qu'il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est que SOAP ? Oui, à peu près deux, trois. Donc, SOAP, c'est un format XML qui a été défini de façon à packager de l'information pour la transmettre à travers le réseau. Donc, utiliser SOAP pour faire des services web, vous coupez d'une part de la richesse de HTTP et une part de tout ce que vous pouvez faire avec le web. C'est dommage. Surtout que vous pouvez faire du SOAP sur SMTP, par exemple. Vous pouvez faire du SOAP avec d'autres protocoles de communication. Donc HTTP, qu'est-ce que c'est ? Pour revenir au sujet, c'est une boîte à outils. Une boîte à outils, une boîte de jardinage. Avec des verbes, là j'en ai mis que quatre ici, qui sont get, put, post et delete, parce qu'ils se réfèrent à l'histoire que je vous ai racontée au départ. Et ces verbes vont vous permettre de manipuler l'information. Une chose à comprendre aussi du web, c'est que donc, de ce côté-là, vous avez un client, de ce côté-là, vous avez un serveur, et que le web est ce qu'on appelle stateless. Ça veut dire qu'il n'y a pas de mémoire de l'état de communication dans lequel vous avez été précédemment. Donc, quand vous allez communiquer entre un client et un serveur, tout ce que vous allez communiquer va être... Toute l'information qui va être communiquée du client au serveur ou du serveur au client doit contenir toute l'information nécessaire pour pouvoir traiter cette information. Il n'y a pas de mémoire. Le client pourra toujours dire au serveur « Te souviens-tu de moi ?» Le serveur va dire « Non. » À moins de lui envoyer l'information nécessaire. Donc pour ceux qui pensent « Mais quand je vais sur un site web, pourtant, quand je me suis identifié avec un login et puis que j'ai eu un cookie, etc., le serveur se souvient bien de moi ?» Non. Le client envoie le cookie à votre prochaine connexion. Le client envoie toute l'information nécessaire pour que vous soyez reconnu. Le serveur ne se souvient pas de vous. Donc, imaginons que vous ayez un concept de fruit. Et puis, Daniel en a parlé tout à l'heure à propos de la content negotiation, qu'il y avait des possibilités au niveau du client de dire quels sont les types de formats que j'accepte. Donc imaginons qu'on ait un concept de fruit et puis que le client, ce soit un client qui soit capable de gérer. Si j'avais une corbeille de fruits, là, on pourrait faire le jeu ensemble. Je pourrais avoir une corbeille de fruits cachée dans mon dos et puis vous pourriez me demander un fruit et puis je pourrais vous le donner si vous m'avez donné les bons fruits. Donc vous demandez le concept de fruit et puis vous dites j'accepte les pommes et les kiwis. Pourquoi j'ai marqué en anglais ? J'accepte les pommes et les kiwis. Puis le serveur va regarder dans son stock s'il a des pommes et des kiwis. Et il va vous retourner une représentation du concept de fruit, sous la forme qui est disponible, avec la même adresse, le même identifiant. Donc le serveur donne une pomme dans ce cas-là, puisqu'on n'a pas de kiwi. Sur le web, quand vous avez des images sur un site web, vous pouvez avoir des images en ping, en JPEG, etc., qui sont exactement à la même adresse, le même nom d'image. Logo.jpeg, logo.ping, logo.svg. Quand vous demandez logo, sans mettre l'extension du nom de fichier,
et que votre serveur est bien configuré pour la content negotiation, le serveur va envoyer le meilleur format possible, qu'il considère possible, que le client a réclamé au client. Même chose, l'enfant tout à l'heure posait dans son histoire des éléments d'histoire avec des identifiants, etc. On peut, avec HTTP, aller poser un élément dans un espace d'information. Poser le fruit, le type de mon contenu, c'est une orange, je vais aller le poser dans ton espace d'information. Okay? Pour ça, c'est très important, élément très important. Je connais l'adresse, j'ai contrôle sur le serveur et je sais ce que je fais. Okay? Et il n'y a pas de phénomène secondaire. La transaction est safe. Vous pouvez la recommencer 10 fois, elle ne modifiera pas l'état de votre histoire au complet. Elle ne changera que de poser une représentation du concept de fruit sur le serveur. Donc, typiquement, vous avez un serveur, vous avez logo, .ping qui est déjà sur votre serveur. L'identifiant, c'est logo. Vous voulez aller mettre une image SVG. Vous pouvez faire avec la même URI, put logo, content type SVG. Et il va stocker, si le serveur est bien fait, bien sûr, il va aller stocker une version, une autre représentation de ce logo au même endroit. Là, on est en train de parler de HTTP tel qu'il a été conçu. Je sais qu'il y a des gens qui commencent à grincer des dents parce que put, je n'ai pas beaucoup d'accès dans mon navigateur, j'en parlerai après. Donc, le serveur a placé la ressource. Post. Post, c'est dans l'histoire, c'est le monstre. Le monstre qui a tout cassé, qui a tout modifié à mon histoire, qui a créé des dommages collatéraux. Donc, oui, on peut créer du contenu avec Post. On peut, et la plupart du temps, c'est ce qui se passe sur les sites web actuellement, c'est que quand vous créez une histoire, que vous écrivez un blog Post ou un billet, etc., vous utilisez la plupart du temps un Post. Quand vous faites un Post, ce que le serveur reçoit, c'est des éléments du contenu et une instruction de processing. Avec ce contenu, fait quelque chose. Sauf que vous n'avez pas la maîtrise de ça. C'est le serveur qui a la maîtrise. Et si le serveur décide, parce que le programme a été fait tel quel, de modifier certains paramètres, je prends ça, je ne mets pas que le contenu à cette URL-là, je fais aussi, je modifie l'index ici, j'incrémente ton panier d'achat, par exemple, ou je débite ton compte en banque, ou je retire tous tes amis, etc., etc. Tout ça est géré par des posts, parce que ce n'est pas safe. Ce n'est pas une interaction protégée, on va dire. Donc, c'est pour ça que, généralement, vous avez une alerte sur le navigateur qui vous prévient que, attention, est-ce que vous êtes sûr de vouloir faire ça? Oui, OK. Et quand vous faites un bug, généralement, on vous redemande, pour les bons navigateurs, on vous redemande, est-ce que vous êtes sûr que vous voulez réexécuter la commande qui vient d'être faite avant, qui était un post? Donc là, l'exemple, c'est je lui poste du sucre et du citron et il me crée une salade de fruits. Puisqu'on est sur un serveur avec des fruits. Delete fruit, efface les fruits. Donc, même chose, on peut effacer une ressource complète avec toutes ces représentations de l'espace. Chose importante aussi que personne ne réalise souvent, HTTP ne dit rien de ce que vous faites du côté stockage des ressources. HTTP, c'est une métaphore pour gérer des URI, des sources d'information, des identifiants. C'est-à-dire que si vous faites delete fruit, vous pouvez rendre inaccessible la ressource en tant que telle sur le serveur. Ça ne veut pas dire que vous avez effacé les ressources sur les représentations sur le serveur. Par exemple, vous pouvez faire delete logo et conserver tous les logos à un espace ailleurs, sur un disque ou sur un répertoire ailleurs. Ça ne pose aucun problème, vous avez le droit de faire ça. HTTP ne définit pas que vous devez effacer ou comment vous stockez les informations sur votre disque ou sur votre système qui est en arrière. HTTP pourrait pratiquement fonctionner hors du web. Alors, si vous avez un système, imaginons un système idiot, qui est, je place une image sur mon site web, je l'imprime, je la stocke avec un robot, je la stocke sur une étagère, puis quelqu'un me fait un get,
ça ne va pas être très efficace, mais quelqu'un fait un get de ce document, ça envoie une instruction à mon robot qui va la chercher sur l'étagère, qui la scanne et qui la renvoie à la personne, ça pourrait être une utilisation valide. HTTP ne définit pas du tout de la façon dont vous traitez les documents, l'information, etc., derrière le protocole du serveur web. Ce qui est intéressant parce que ça donne beaucoup de possibilités, qui sont mal connues la plupart du temps par les développeurs d'applications web, malheureusement. Tout ça s'accompagne d'une myriade de codes. C'est-à-dire que le serveur et le client, au moment où ils négocient les transactions entre le client et le serveur, donc get quelque chose, oui je l'ai, je te renvoie un 200. Ou put cette information à tel endroit. Ah oui, je l'ai créé, 201. Est-ce que les gens connaissent à peu près les codes HTTP tous? Il y en a un là-dedans qui devrait vous faire hurler normalement. Il y en a un qui a un truc de geek. Quelqu'un a une idée? 418, c'est quoi? Oui. 418, c'est un petit pote. Donc c'est une joke, une blague de geek. C'est une RFC qui définit le HTTP, c'est Coffee Protocol, qui définit les protocoles de café à machine, puisque les geeks sont gros consommateurs de café. Donc tous ces codes-là ont une existence réelle. Par exemple, tout à l'heure, quand je parlais de delete, d'effacer une ressource qui n'est plus disponible, vous avez un outil à votre disposition sur le serveur pour dire « oui, j'efface cette ressource, mais en plus, je donne une information au futur client qui va venir en disant « cette ressource, elle est partie, elle n'existe plus. 410, gone. Okay » C'est très important parce que, par exemple, pour les référencements, ça vous permet de mieux gérer les référencements. Même chose pour 301. Move permanently. Votre ressource est ailleurs et généralement vous renvoyez l'adresse ou la nouvelle adresse de la ressource. Donc j'ai mis un canard, parce qu'il y a Daniel, donc j'ai mis un canard. Il y a de nombreux verbes disponibles. Le hic, c'est que la réalité du web, c'est ça en ce moment. Okay, donc j'ai fait un beau discours, puis là je suis en train de me tirer dans le pied. J'ai fait un beau discours sur la richesse de HTTP. La réalité du web est que pratiquement toutes les requêtes HTTP du web, c'est du GET. Il y a très, très, très peu de choses qui sont faites avec les autres verbes. Beaucoup, après, si on GET, c'est le soleil, et POST, c'est Jupiter, ça va être le verbe HTTP le plus utilisé, puis le reste... c'est pratiquement pas utilisé, aide de temps en temps. Ceci dit, c'est quand même utilisé dans des cas très concrets, très spécifiques. Pour les gens qui développent des applications serveurs avec des services web et qui ont des clients, que ce soit des clients desktop ou des clients web, vous pouvez utiliser toute la richesse de HTTP. Rien ne vous empêche de le faire. Si vous créez votre propre application web, vous avez la possibilité, avec un framework, quel que soit Django, Ruby on Rails, etc., ou Zend, peu importe le framework que vous allez utiliser, vous pouvez vous-même traiter ces requêtes. Ce ne sont qu'un langage, qu'un protocole de communication entre deux choses, un client et un serveur. Donc dans des cas spécifiques, vous pouvez très bien l'utiliser et c'est tout à votre avantage de l'utiliser. N'utilisez pas les verbes. Il n'y a pas de vérificateur de papier sur les clients ou les serveurs qui disent « non, c'est pas bon, etc., tu n'as pas le droit d'utiliser ça. » Get et post sont... Enfin, post est à... Non, get est abusé, parfois, pour un post. C'est-à-dire que parce que des designers web pensent que c'est pas joli d'avoir un retour de bouton, parce que certains disent, c'est pas en termes d'ergonomie, c'est pas pratique. Un UX designer dit, oui, je veux mon interaction fluide. Je veux que l'utilisateur n'ait pas à cliquer, etc. Et je veux qu'il puisse ajouter une commande directement. Oui, mais ça pose des problèmes. Exemple, l'affaire Google Basecamp, où Basecamp avait implémenté des GET à la place de POST.
Et Google, le robot, lui, dit, moi, je suis un agent web, je passe, et qui a fait beaucoup de dommages du côté serveur sur les comptes des gens parce que c'était des gets et que gets, c'est une interaction safe. J'ai le droit de tirer un get comme je veux. OK? Donc, les verbes sont un contrat moral entre une négociation entre un client et un serveur. Les utiliser à bon escient. Il y a des techniques, j'ai vu ça il y a quelque temps, il y a des techniques pour rendre les posts un peu plus invisibles avec des techniques CSS, etc. Attention encore une fois, parce que si vous faites trop de CSS pour cacher le comportement d'un post, cette fois-ci, vous allez briser le contrat moral que la personne a avec son navigateur. C'est-à-dire que la personne s'attend à certains comportements, s'attend à cliquer sur un lien parce qu'elle sait qu'elle peut le faire et que ça n'a pas de conséquences. Donc, il faut être très prudent sur les choix de design que vous faites. Shortcut ? Non ? Oui ? C'est bon ? OK. Les headers HTTP. Donc, aussi dans la couche HTTP, il y a plein de headers qui sont envoyés en termes d'informations. Tout à l'heure, on a vu que le client envoyait « accepte pomme et kiwi ». Donc, il y a des informations qui permettent de gérer le cache, qui permettent de gérer l'endroit où se trouve le contenu, les types de données, la compression. Tout ça sont des outils qui sont disponibles pour vous en tant qu'intégrateur et développeur web pour mieux gérer votre contenu, pour avoir une expérience plus souple. Dans la théorie. Dans la réalité, c'est plus difficile que ça. Il y a beaucoup d'options, notamment pour le cache. Si vous travaillez sur un site à très haut trafic, là, dans l'agence web où je travaille actuellement, nous gérons le site de RDS, qui est un réseau de sport, qui est une chaîne télévisée, et qui a le site avec le deuxième trafic au Canada. Les Canadiens sont très fervents de hockey. À chaque match des Canadiens de Montréal, ou chaque transfert de joueurs à saison, les gens sont des intenses utilisateurs de ce site de sport, et les pics de trafic sont monstrueux. Et on doit adopter des techniques de cache qui sont parfois temporaires pour le site à ce moment-là, ou même permanentes. Donc, il y a beaucoup d'optimisations qui peuvent être faites au niveau du cache. Cependant, il y a beaucoup, beaucoup de paramètres et beaucoup de façons de se tromper et de se prendre les pieds dans le tapis avec le cache. Si vous avez un site à haut trafic, je vous recommande très fortement d'aller lire le site de Mark Nottingham où il a fait un tutoriel pour les webmasters et les web développeurs pour bien gérer le cache sur votre site web. C'est une source fabuleuse. Il teste beaucoup les navigateurs, il teste les serveurs aussi. C'est une ressource d'information. Allez lire son site en général si vous êtes intéressé par les aspects hardcore du cache. Juste un exemple pour e-tag. On entend souvent parler, e-tag, c'est comme la poule aux œufs d'or, c'est magnifique, ça va résoudre tous mes problèmes de cache. Pas toujours. Un e-tag, oui, peut résoudre vos problèmes. Si vous êtes sur un serveur, par exemple, qui est un serveur unique, une machine unique, sur les e-tags, la façon dont ils sont générés bruts de décoffrage, souvent sont calculés par un certain nombre de paramètres, le contenu du fichier, le inode sur le file system, différentes choses diverses et variées. Là, je viens de dire quelque chose, inode sur le file system, donc très dépendant du serveur où c'est. Si vous avez un site qui est hébergé sur 6 machines, par exemple, et qui délivre du contenu et qui fait du load balancing, donc distribution de la charge en fonction de la machine, si le e-tag est calculé en fonction de l'inode, il n'y a plus d'e-tag, parce que votre contenu, il va y avoir 6 e-tags pour le même contenu. Donc, votre caching tombe à l'eau. Donc, la façon dont vous allez paramétrer votre caching, la façon dont vous allez le calculer, etc., va être très important aussi. Donc, c'est bien comprendre HTTP, c'est vous permettre de bien gérer votre site web. Content location header, pas utilisable. Donc, content location, c'est vous mettez une URL et puis dans les headers HTTP, vous mettez l'adresse d'un contenu qui est à un autre endroit que vous allez aller chercher pour donner à cette URL. Pratiquement, c'est un bel outil. C'est un outil qui serait très, très pratique. Ce n'est pas utilisable parce que les navigateurs l'implémentent mal, parce que certains serveurs l'utilisent mal. Donc, poule et l'œuf, qui a tort, c'est un problème.
Je n'en ai pas parlé, mais comme Daniel l'a mentionné tout à l'heure, oui, on peut faire du Accept Language. Petite histoire, moi j'ai toujours dans ma vie de W3C, il faut qu'on fasse du Accept Language, c'est-à-dire qu'on donne la même URI et qu'on délivre. L'avantage, c'est que vous donnez une seule adresse web et puis vous coupez avant le .html, puis vous avez une ressource qui s'appelle .html.fr, .html.en, .html.jp, .ja, .ja, pour le japonais. Et puis avec cette même URI, par exemple, vous êtes Sato qui est japonais, envoie une URI à son ami français Daniel, et il a juste à cliquer, puis il obtient la version. Sato était dans la version japonaise, puis Daniel obtient la version française. Pratique, cool, ergonomie, etc., facilité d'utilisation. Jusqu'à temps que vous arriviez au département marketing de l'agence ou au département SEO qui vous dit « ça va pas du tout ». Et ça arrive tout le temps au Canada parce qu'on ne fait que des sites en bilingue pratiquement. Les mots-clés dans les URI sont importants pour le SEO et donc on peut pas faire de... Enfin, on peut en faire, mais ça va diminuer le SEO du site. Donc, je ne dis pas qu'il faut pas que vous en fassiez, ce n'est pas ça que je dis. Je dis que vous choisissiez l'un ou l'autre. Il va falloir choisir la technique qui correspond à vos besoins business. Donc, vous êtes intégrateur. Vous pensiez que votre cauchemar, c'était HTML. Ben, vous n'avez pas vu la partie cachée de l'iceberg, c'est HTTP. Parce que HTTP, c'est vraiment une horreur. Des solutions ? Devenez maître HTTP. Développer une bonne connaissance de HTTP, ça vous sauvera les fesses dans de nombreux cas, par rapport au cache, par rapport à tous les proxys. Et il y a un souci du détail énorme par rapport à HTTP. C'est riche, il y a beaucoup d'intérêt à connaître la technologie. Utilisez les outils HTTP. WebSniffer, ça vous permet de voir quel est le dialogue. C'est un site web, http://websniffer.net. Vous permet de voir les headers de requêtes, etc. Yahoo Slow a développé un plugin qui fonctionne dans Firefox, qui vous permet d'avoir une analyse de votre site d'un profil HTTP. Là encore, prenez ça avec des pincettes. Ça vous donne un indicateur, ça ne vous donne pas des réponses. Il faut bien comprendre ce qui se passe pour pouvoir bien analyser les Yahoo Slow. Testez. Merci, Carl. Là aussi, on a un petit moment de 10 minutes pour les questions à ce niveau-là. Le reste ira dans le modérateur. Qui a des questions ? Alors, OK, vas-y, démarre, vas-y. Oui, au niveau des verbes HTTP, je voudrais savoir si option, le verbe a été intégré à la norme, parce que si on prend, par exemple, Firefox, si on veut faire des requêtes cross-domain, on est obligé de faire une requête option avant. Donc, tout dépend de l'environnement. Si tu es dans un navigateur ou dans un client particulier, ou etc., tu vas avoir des choix différents. Dans les navigateurs, je ne suis pas sûr qu'option ait été intégrée. En fait, dans le dernier, dans le 3.5... Dans Firefox 3.5 ouais, si on veut faire une requête Ajax en dehors de son propre domaine, on va être obligé de faire une requête option pour savoir si on y est autorisé avant. Donc, il y a un travail qui est en cours... La bonne réponse, je ne sais pas. La deuxième réponse, c'est Anne Van Kensteren, je pense, de Opera, travaille sur une spec qui est pour Access Control List, qui permet de gérer les requêtes cross-domaine, etc., au niveau des navigateurs. Et au niveau HTML5 aussi, ils en parlent aussi. Donc, vérifiez avec la spec. Oui, bonjour. Je vais être un tout petit peu provocant, mais est-ce que la dissymétrie forte qu'on voit entre GET et POST, plutôt que de traduire les mauvais usages des développeurs, elle ne reflète pas un peu le mirage du Web 2.0 et le fait que le web reste un outil majoritairement de consultation plus que de contribution ? Oui, c'est le cas. C'est-à-dire qu'en effet, il y a beaucoup plus de lecteurs que de contributeurs. Pour moi, l'ironie, c'est que au début où les tout premiers navigateurs, les tout premiers serveurs implémentaient la plupart des verbes.
AOL Press, par exemple, qui avait un module serveur, il y avait AOL Server et AOL Press, qui était un outil auteur, un navigateur, implémenté PUT. Les premières versions de Netscape implémentaient PUT aussi. Il y avait un aspect beaucoup plus respectueux, entre guillemets, de ce qu'était HTTP. Le problème était un problème de contrôle d'accès. C'est-à-dire que les gens ne voulaient pas donner accès à leur serveur comme ça. Quand le web a été démarré, mais je ne vais pas donner une autorisation d'écriture. Ce qui est plutôt ironique, parce qu'après sont arrivés les wikis, qui sont passés par un post, parce que les verbes n'étaient pas là, pour pouvoir faire des contributions sur les serveurs. Ce qui est un peu... Et bon, et puis maintenant, toute la vague Web 2.0, etc. Donc, oui, il y a un gros déséquilibre. Oui, les navigateurs renforcent le déséquilibre. Il n'y a pas que des navigateurs. Le web, ce n'est pas que des navigateurs. C'est une grosse partie du web, mais ce n'est pas que ça. Il y a plein de robots. Je pense que pour la plupart d'entre vous, la majeure du trafic ne vient pas des navigateurs web, mais des robots. Et puis, quand vous développez des applications web custom où vous donnez un service, par exemple, Flickr a une API, elle expose certaines de ses méthodes sur le web. Rien ne vous empêche. Donc, là encore, si la méthode n'est pas exposée et pas comprise du côté serveur, ce n'est pas possible. Mais on peut très bien imaginer que Flickr décide d'implémenter le PUT du côté serveur, puis que vous ayez un petit client desktop que vous avez créé qui utilise ça pour mettre les ressources. Vous pouvez l'utiliser, c'est à votre disposition. Mais oui, c'est plutôt un outil de consultation pour l'instant. Bonjour Karl. Oui. Est-ce que tu connais des CMS qui exploitent réellement cette couche HTTP ? Au niveau du back-office en particulier. Qui interpréterait justement et qui utiliserait ces méthodes. Donc, pour Apache, je ne vais pas parler CMS. D'abord, je vais parler serveur pour traiter l'information. C'est-à-dire que pour Apache, j'ai déjà essayé plusieurs fois, c'est PITA, pour ceux qui connaissent l'acronyme. Pour installer, c'est très dur. Il y a un mode, etc. On peut l'installer ou créer d'autres modules, etc. Traiter, c'est possible. Mais ce n'est pas livré brut de décoffrage avec l'installation d'Apache. Il y a des serveurs plus académiques ou plus, on va dire, plus confidentiels comme Jigsaw, qui est un serveur qui est développé en partie par Yves Lafont, enfin qui a été développé par Yves Lafont avant que les budgets soient coupés, qui implémente toute la stack HTTP. Dans les CMS, j'en connais pas qui implémentent HTTP PUT, que ce soit PUT brut de décoffrage. En revanche, tous les frameworks comme Django, Ruby on Rails, etc., ils acceptent une connexion. À partir d'où ils acceptent une connexion, tu peux traiter un verbe. Merci. Bonjour. Bonjour. Donc, j'ai une question, mais d'abord, je connais pas mal de CMS et autres qui, justement, ont des API REST qui permettent de faire, entre autres, du PUT, du DELETE et autres. Pour ne citer que, par exemple, Alfredco, qui est très connu, ou celui sur lequel je bosse, qui s'appelle Jalios. Et y a une norme qui est en train d'être élaborée à l'Oasis actuellement, qui s'appelle CMIS, pour justement faire en sorte que les CMS... de manière générale, donnent des API REST qui exposent leur contenu. Bon, ce n'était pas ma question, en fait. Dans le cadre d'une API qui se base sur HTTP, comme ça, soit on utilise GET pour recevoir, DELETE pour effacer, PUT pour déposer, en supposant que le client connaisse l'URI, et POST pour tout le bordel qui reste. Quand on utilise POST, la problématique, c'est de déterminer, avec la sémantique sur laquelle le client et le serveur se mettent d'accord, quelle est l'action qu'on va déterminer pour ce POST. Ne voyant pas de bonne pratique sur la question, moi, bêtement, dans mes API, j'ai mis un paramètre action en expliquant dans ma doc, voilà, toutes les actions disponibles. En utilisant cette URI-là. Cette problématique se rencontre également avec pour un poste au niveau des formulaires, quand par exemple on va avoir plusieurs boutons
et chaque bouton correspond à une action particulière. Mettre à jour définitivement, mettre à jour en conservant un lock, etc. Donc il peut y avoir plusieurs actions pour un poste donné. Donc c'est une problématique qui existe avec un navigateur de manière interactive ou de manière programmatique quand on veut utiliser poste de toute façon pour faire tout et n'importe quoi. Donc pourquoi il n'y a pas carrément, je ne sais pas moi, un header HTTP supplémentaire qui permettrait de déterminer cette action de manière un petit peu normalisée et pas chacun à sa sauce. Donc, pour les headers HTTP, vous pouvez créer vos propres headers HTTP dans le cas d'application, si ça peut vous aider sur une application. Donc, il n'y a pas de choses normalisées parce que les gens devraient utiliser les verbes tels qu'ils devraient être utilisés. Donc, vous delete. Je peux donner un complément. Les headers HTTP, donc j'ai dit, vous pouvez en créer. Attention quand vous les créez. Ne créez pas un header comme ça, sans, par votre choix, action ou chose comme ça. Appelez-le X- quelque chose et action. Il n'y a pas de norme pour les actions. Et j'ai du mal à voir si ça devrait être vraiment standardisé. Vous parlez d'une norme, par exemple, pour les types de formulaires mail ou quel type d'action ? Typiquement, on est dans un outil, je ne sais pas moi, qui permet de faire des billets de blog. On va avoir de quoi poster son billet et on pourrait avoir une action pour dire créer le billet ou un autre bouton qui serait créer le billet de manière temporaire sans le publier. Créer le billet mais garder un lock de manière à ce que quelqu'un d'autre ne puisse pas l'éditer et que je sois le seul à l'éditer parce que je vais le modifier par la suite, etc. Donc il pourrait y avoir comme ça plusieurs actions pour un formulaire dans une interface web tout à fait standard. Et ça, c'est pratiquement ce que fait SOAP, hein. C'est tunneler toutes les applications, toutes les commandes par l'intermédiaire d'un post et on perd la richesse de HTTP si on fait ça. C'est-à-dire, oui, donc, back to reality, oui, on est obligé de faire ça. Le standardiser, le normaliser, ferait pas beaucoup de sens dans le sens de HTTP, d'un HTTP REST. C'est négliger la richesse des interactions que HTTP permet avec tous les codes qui existent, etc. Information, j'ai oublié de le mentionner. Le working group HTTP qui est à l'IETF travaille en ce moment sur un HTTP bis. Il y a une liste d'issues qui est longue comme ça. Le travail avance lentement, mais sûrement. Si vous avez des commentaires ou des suggestions ou des choses, c'est le moment d'aller d'abord voir l'issues list et de proposer des choses. Oui, je peux donner un gros complément d'information sur l'historique du non-usage de put, delete et ce genre de trucs. J'ai été un des très très gros promoteurs de put et delete. J'avais écrit début 94 un outil de type FTP, donc transfert de fichiers au-dessus d'HTTP put delete, qui éliminait en particulier sur les PC le besoin d'avoir un serveur FTP. C'était super pratique. Pourquoi est-ce que put, delete et les autres commandes de ce type dans HTTP n'ont pas été implémentées? C'est qu'en général, dès que vous avez une appli complexe, vous voulez faire plus d'une action, déjà, première chose. Donc vous avez besoin de sérialiser les accès HTTP. Les mettre dans un seul dialecte XML ou quoi que ça soit d'ailleurs, hein, c'est pas nécessairement du XML, ça peut être commande de point valeur, des choses comme ça, permettait d'aller plus vite. Je vous rappelle qu'à une époque, il fallait bouger la souris au-dessus du navigateur pour que le réseau aille plus vite. Ça, c'était... Non, mais rappelez-vous de ça quand même, hein, faut y penser. Donc avoir une seule requête au lieu de n requête, c'était important. Au début du serveur HTTPD du CERN, puis du NCSA Mosaic, derrière put et delete, ce que vous mettiez, c'était nécessairement un CGI bin, avec tous les problèmes de sécurité des CGI bin. Et il fallait en mettre un pour put, un pour delete, un pour get, un pour poste si vous vouliez des actions spécifiques. Donc effectivement les DSI ont refusé de mettre des CGI bin derrière put et delete qui n'étaient pas jugés absolument stratégiques et ça a rapidement
tuer put et delete et les autres parce qu'il fallait sérialiser les commandes. Donc aujourd'hui, j'ai peur que malheureusement le mouvement soit irrépressible et qu'on ne revienne plus là-dessus. Les dialectes XML qui permettent de sérialiser des commandes sont beaucoup plus pratiques. Ça évite à vous, les développeurs du côté serveur, d'avoir à gérer des informations, un, dans le corps de la requête, et deux, dans les headers de la requête. Si vous avez tout en un seul lieu, c'est beaucoup plus pratique pour vous. En particulier si c'est dans XML, vous n'avez plus qu'à parser et utiliser un DOM pour accéder à la totalité d'informations. Les headers, c'est encore autre chose. Il faut accéder à la requête HTTP, il faut aller dans les headers, il faut éventuellement les décoder. Et voilà, ça rajoute un degré de complexité qui est en général considéré comme inutile. Je n'aurais jamais cru t'entendre recommander XML. Je n'ai pas encore parlé de Flash sur le serveur. Bien, les questions suivantes devront être dans le modérateur. Merci beaucoup, Karl Dubost.